Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête et tu le consacreras par onction. C'est par cette phrase tirée de l'Exode 29, verset 7 de la Sainte Bible que le révérend Yannick Yahira Apeleté a été ordonné et confirmé apôtre de l'Église Nouvelle Génération du Christ Enogec le samedi dernier à Nantin, ville située à 91 km au nord de Lomé. C'est dans une ambiance bon enfant que les fidèles des 21 paroisses réunies au temple El Shaddai de Badal Kota de l'église ont chanté, dansé et prié Dieu pour la réussite de cette ordination apostolique. Yannick Apeleté s'est joint à ses pères dans le ministère en 2001. Il a beaucoup appris au pied de son père spirituel et père de ministère, le feu apôtre Amaïso Foli Laurent de l'Église du Seigneur la Grâce Divine qui lui a inculqué les premiers rudiments du ministère sacerdotal. Aujourd'hui, dans la peau d'un apôtre béni, il ne cache pas ses émotions. Je suis très honoré, c'est un sentiment de joie et de fierté qui m'anime ce jour. Et je rends grâce à ce Dieu qui a porté son choix sur moi pour accomplir ce ministère sacerdotal. Ma prochaine mission, je voudrais que nous soyons unis dans le corps du Christ, quelles que soient nos dénominations. Fondé un 3 décembre 2011, l'Enogec dispose à ce jour de plus de 450 membres pour 21 paroisses, 25 ouvriers et 9 pasteurs. La création d'une école biblique et théologique, la construction d'un centre de santé, d'une maison d'accueil pour les enfants démunis sont entre autres les projets de l'apôtre. Sur le plan représentatif, le révérend Apeleté Yannick est le coordinateur de la vision internationale des ministères chrétiens basés aux États-Unis, coordinateur des mouvements hommes d'honneur et des femmes de dignité Ésaïe 60 International basé en Suède. Il est également le président du mouvement des Fellowship International. En rappel, c'est depuis 2014 que le bishop Doug Hayward Mills a reconnu au révérend Yannick Apeleté le don d'apostolat.